Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je reviens avec une recette qui est les pâtés chinois. Les pâtés chinois, des maïs avec la viande hachée. Et c'est un peu ça qu'on va utiliser. Et les maïs vraiment crémés qu'on va mettre tout ensemble pour mélanger. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on dit ça pâté chinois. Hein? Est-ce que ça vient de Chine ou quoi? J'ai jamais compris. En tout cas, il faut que je fasse les recherches pour savoir. Bon, c'est ça. Je vais faire mes viandes hachées. Surtout, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai mis la main dans la casserole, ce n'est pas vraiment chaud. J'utilise les feux à la petite température pour que la viande puisse bien cuire. Et c'est comme ça que je fais quand je fais la viande hachée. Je ne mets pas les feux vraiment fort. Je mets toujours un petit peu. Et aussi, c'est un peu ça. Alors, après notre viande hachée, on va écraser nos patates. Après avoir écrasé nos patates, et on va passer au mélange. D'ailleurs, comme je suis en train d'écraser, tourner mes viandes hachées, tourner, tourner, et après, je viendrai ajouter les arachides. Ah, écoute-moi, j'ai dit les arachides. Oh my God, on va ajouter la crème, on va ajouter la crème de maïs. J'ai acheté comme ça, c'est pas moi qui ai écrasé, non, j'ai acheté des petites boîtes de crème de maïs. Comme ça, on mélange, c'est tout. Et c'est vraiment simple, cette recette, facile à faire. Même les enfants qui ont 1 an, 6 mois, ils peuvent les manger. Souvent, moi, je travaille dans le milieu de la garderie, donc on les donne aussi ça. Voici pourquoi j'apprends facilement. Donc, on sert aussi aux enfants. Ils sont capables de manger toutes seules. Donc, ce n'est pas juste quelque chose que ah, c'est dur à faire et tout, non, c'est vraiment simple. Tu prépares la viande, c'est bien cuit. Et après, tu rajoutes la crème au maïs et tu écrases les patates. Comme je vais être là en train d'écraser des patates, j'écrase des patates après avoir écrasé des patates et on va passer dans notre plat pour bien mettre dans les fours pour quelques temps avant de passer au service. Et donc, je vous laisse un peu regarder avec la musique. Vous regardez comment est-ce que je vais faire parce que les choses les plus importantes, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et on va se revoir vers la fin. Bon, là, on est rendu dans l'étape pour mettre dans les fours. On a mis dans notre plat qu'on va pousser dans les fours. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que dans mes patates, j'avais ajouté 1 cuillère de beurre. C'est comme ça que j'ai fait, mais je ne sais pas pour les autres comment est-ce qu'ils font. Mais ça, c'est ma manière que j'ai fait. Quand j'écrase mes patates, je mets toujours 1 cuillère de beurre dans mes patates. Alors, c'est un peu ça. Et on met toujours les viandes hachées en bas. Et après, on met les patates par-dessus, comme ça. Et après, pour moi, j'ai pris aussi des petits fromages César. Je vais mettre par-dessus, juste pour avoir une petite ambiance bien colorée, dorée. Donc, alors, je vais prendre des petits fromages que je vais mettre par-dessus.
Et quand ça va sortir dans le four, ça sera vraiment waouh, avec un éclairage flashant, douceur et tout, et une parfumée odeur. Donc, c'est ça mes manières que j'aime faire mes pâtés chinois. Donc, je sais pas pour vous autres comment est-ce que vous les faites. Et laissez-moi dans les commentaires, comme ça je vais apprendre de votre façon aussi. Comment est-ce que vous le faites? Et si tu es la première fois à passer sur cette chaîne, surtout, n'oublie pas de s'abonner. Bon, notre pâté chinois est bien prête. Regardez, est bien prête. Comme cette journée, j'étais tellement occupée avec les ménages, j'étais en plein ménage à faire et j'ai pas eu le temps de vous montrer toutes les étapes, je veux dire, le temps d'attendre quand ça va se refroidir. Donc, j'ai mis dans l'assiette directement quand j'arrivais dans le four, juste pour vous montrer, parce que je devais me lancer vite à continuer avec mes ménages. Et il était midi, il fallait qu'ils puissent prendre leur dîner à midi. Donc, c'est un peu ça. Regardez, c'était encore chaud. Et c'est comme ça. Donc, regardez notre pâté chinois. C'est vraiment bon, je vous rassure. Vos enfants vont aimer ça. C'est délicieux. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de s'abonner, de partager, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, vous ainsi que vos familles. Et protégez-vous contre la varia et la COVID-19. My God bless you. Okay, bye-bye.